Oh, j'ai oublié d'enlever mon chewing-gum. Faut que j'arrête de mâcher. Salut toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. Mais commence pas à faire du bruit mon chat, tu m'y aimes, mais hein. T'arrêtes tes bêtises. Elle a vu un oiseau dehors. Mais non, y'a rien. Tu te fous de moi? Mais oui, y'a rien du tout. Alors arrête tes bêtises. T'es énervée toi aujourd'hui. Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais te montrer mes derniers achats que j'ai réalisés dans le magasin Action. Alors d'habitude, dans ce genre de vidéo-là, je vous montre beaucoup de loisirs créatifs, principalement. Mais là, exceptionnellement, dans cette vidéo-là, il y aura de tout. Je suis allée dans tous les rayons de chez Action, donc du coup j'ai récupéré des trucs un petit peu partout. Donc dans cette vidéo là, ça sera le bordel total. Voilà, il y a de tout, absolument de tout. Donc dernièrement, depuis mi-avril, ouais depuis le 17 avril j'y suis allée 5 fois, jusqu'au 10 dernièrement. Et voilà, donc ouais, comme je l'ai dit, j'ai pris de tout, absolument de tout. Il y a quasiment même pas de loisirs créatifs, c'est pour dire. Donc voilà, allez, on y va, on y go, on commence. Donc d'habitude je marque toujours les prix sur mes produits, mais là je l'ai pas fait. Donc du coup je vais suivre l'ordre de mes tickets, comme ça ça sera fait. Mais du coup bah ça sera, tout sera mélangé, il n'y aura pas de catégorie. Tant pis, hein, c'est pas grave. Donc le premier sur la liste, d'habitude j'achète jamais ça là-bas. Mais en fait il s'avérait que c'est beaucoup moins cher qu'avec Carrefour, hein, Leclerc. Et puis c'est mon petit péché mignon. C'est les chocolats Milka. Le Milka, c'est mon péché mignon, mais oh, je pourrais m'en péter le bide. Le Milka, c'est ça, c'est voilà, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà, j'ai trouvé ces petits biscuits-là. Enfin, il y en avait plein. Il y avait aussi des cookies, il y avait des fingers au Milka. Mais j'ai craqué sur celui-là. Voilà. Je crois que je suis à contre-jour, on ne voit rien du tout. C'est pas grave. Donc bref, c'est les Milka Thunder Brick Choco. Et ils étaient à 1,95€ la boîte de 5. Et là, dernièrement, je suis allée à Stokomani, ils en faisaient aussi, mais je me souviens pas du prix. Enfin bref. Voilà. Ensuite, j'avais pas du tout fait gaffe, j'étais en rupture de stock, et puis j'ai oublié d'en acheter à Carrefour parce que j'étais pas au courant que j'étais en rupture de stock. Du coup, quand je suis allée à Action, j'en ai pris Monsieur Propre. Ouais, je nettoie toi avec Monsieur Propre, c'est mon produit fétiche. Donc là, celui-là est au citron. D'habitude, je prends Monsieur Propre avec Febreze, mais à Action, il n'y en avait pas, il n'y avait que au citron. Alors bah voilà, j'ai pris Monsieur Propre au citron. Voilà. Et la bouteille, il faudrait que je compare aussi à chaque fois les prix pour voir si c'est vraiment moins cher chez Action. Bah, je pense quand même. Hein. Et là, la bouteille, elle était 1,99€. Moi je regarde à Carrefour ou à Leclerc combien c'est. Parce que je vais que à Carrefour, à Leclerc, je vais pas dans les autres. J'ai fait du bruit, excusez-moi. J'ai repris mes enveloppes bulles. Là j'en ai pris deux. Il n'y en a plus maintenant, à chaque fois que j'y vais, il n'y en a plus. Je n'en trouve plus, c'était les deux dernières que j'ai trouvées. Donc là, les enveloppes bulles pour mes envois sur ma boutique. Voilà. Et donc là, les enveloppes, elles étaient à 64 centimes et il y en a deux à chaque fois dedans. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit classeur comme ça. Enfin, ils appellent ça un protège-document A4 avec 20 pochettes à l'intérieur pour 99 centimes. En fait, je suis de la vieille école et moi, j'aime bien écrire tout à la main. J'aime pas écrire sur l'ordinateur, je préfère tout écrire à la main. Et donc dans ce classeur là, j'y range mes recettes salées, non sucrées. Parce que j'avais déjà un vieux classeur que ma mère m'avait filé, c'est un vieux. Et là, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est marqué mon livre de recettes salées. Et bah maintenant j'en ai acheté un pour le sucré. Tous mes gâteaux, et là il y a toutes mes entrées, mes plats, et voilà. Donc du coup, non, j'ai deux classeurs. En plus, j'ai deux bleus. C'est même pas fait exprès. Bon, bref, voilà. J'ai mon classeur de recettes sucrées et mon classeur de recettes salées. Bref, là, j'ai acheté celui-ci chez Action. Pour combien, j'ai dit 99 centimes. Avec 20 pochettes à l'intérieur. Alors, 20 pochettes, à mon avis, je vais faire vite le tour, mais... Là, j'en ai déjà utilisé 5, c'est ça? Ouais, j'en ai utilisé 5. J'ai noté toutes mes recettes là-dedans. Des recettes que je chope sur Pinterest principalement. Et ouais, bah, au lieu de les imprimer directement, et bah, je préfère les noter, les écrire à la main.
Moi je préfère, j'adore écrire, j'adore ça. On a pris du gazon synthétique. On avait pris deux rouleaux parce qu'on savait pas si un ça allait suffire. Finalement oui ça suffit, du coup je me retrouve avec un rouleau en plus. Mais bon, on va trouver une solution pour l'utiliser, ça sera pas perdu. Bref, du coup on a acheté du gazon synthétique pour mettre sur le balcon pour que ce soit plus mignon. Voilà. Bon, le problème c'est avec les petits oiseaux qui viennent manger. Enfin maintenant ils viennent plus parce que c'est plus la saison de leur donner à manger, c'est fini. Mais j'avais plein de graines sur le tapis, j'étais obligée d'aspirer au moins 3 fois par semaine, facile. Parce que je suis un petit peu maniaque en plus sur les bords. Mais ouais, c'était un petit peu chiant, mais bon. C'est pas grave, voilà. Du coup, on a un joli tapis synthétique, un gazon synthétique sur le balcon et c'est vraiment. Ça fait trop mignon, j'adore. Et du coup, ouais, on a acheté 2 rouleaux, mais le deuxième, il nous sert pas, on verra bien ce qu'on va en faire plus tard. Et c'était 3,99€. Et je rêvais d'avoir ça depuis une éternité, mais à chaque fois qu'on tombait sur des trucs comme ça, c'était hors de prix. Et là, on a vu Action, même pas 4€ le rouleau. Allez hop, on a sauté dessus quoi. Et on a pris 2 rouleaux au cas où, mais finalement, un ça suffisait. C'est pas grave. Ensuite, on s'en fiche un petit peu. Enfin, comme tout le reste, tu me diras. Mais on a repris un papier de rouleau cadeau. Attends. Je sais même pas ce que j'ai sorti comme connerie. Un rouleau de papier cadeau. J'ai pas dit ça, tu dis quoi? Bon bref, on s'en fiche. Donc moi j'achète toujours le craft parce que c'est celui que je préfère. Et donc là on en a pris un bleu parce que j'avais pas de papier cadeau pour les garçons. Et c'était l'anniversaire de 2 petits loulous. Finalement bah, on s'en est pas servi. Parce qu'on a été à Leclerc pour acheter les cadeaux. On s'en fout, je raconte ma life, hein, excusez-moi. Et bah du coup à Leclerc ils font directement les papiers cadeaux. Donc du coup on a acheté ça pour rien. Enfin non, parce qu'on s'en servira quand même. Mais bref, voilà. J'avais que des papiers cadeaux pour les enfants, ou alors sur le thème de Noël. Et ça le fait pas au mois d'avril. Donc du coup, on avait... Voilà. Bon bref, hein, vous avez compris. Et le petit rouleau là, il était à 79 centimes. Je vais prendre un coup tout à l'heure. Oui, on a pris des boîtes de rangement. On en a pris 4, mais là je vous en montre que une, parce que bon, ça sert à montrer les 4, c'est les 4 belles. Et elles étaient à 2,09€. Et c'est pour... mes filles, pour qu'elles rangent leurs jouets. Donc celui-là, il est destiné au squishy. Il y a plein de petits squishy à l'intérieur. Et ouais, c'est... Voilà, pour ceux qui sont comme ça. On en a pris 4 comme ça, ils en ont 2 chacune. Voilà. Petite boîte de rangement. J'ai pris du dentifrice pour une de mes filles, la plus petite, parce qu'elle avait fini le sien. Et j'étais pas au courant, forcément, elle me dit ça à la dernière minute, une fois qu'on a fini de faire les courses. Et bah, je dis, bah, on va aller chez Action, puis on va en prendre. Action, il est plus près que Leclerc ou Carrefour. Donc, du coup, voilà, on a pris du dentifrice. Alors, par contre, pour les enfants, ils font pas grand chose. Hein. Il y avait que 2 choix. En même temps, mon magasin, il est tout petit, il y a pas grand chose dans celui-ci, donc c'est pour ça. Enfin, je pense, j'en sais rien. Enfin, bref, là, j'ai pris un dentifrice tout simple, Colgate. Pour 95 centimes. Et ben en même temps, j'en ai profité pour prendre des trucs pour moi, hein, tant qu'à faire. Du coup, j'ai pris 2 petits paniers comme ça en rotin. Enfin, c'est du plastique, mais ils appellent ça des paniers en rotin. Pour 58 centimes. Ils sont tout petits rikiki, c'est pour mettre dans ma cuisine. Et vous arrêtez de foutre le bordel, vous? Baston. Ça suffit. On arrête les chats. T'as plein de poils sur le nez. Des poils qui t'appartiennent pas. Bref, voilà, pour ma cuisine, donc il y en a un où j'ai rangé tout ce qui est ail, oignon, échalote, et l'autre, c'est mes petites lingettes pour nettoyer. Voilà. Ensuite, pour une de mes filles, parce qu'elle en avait pas dans sa chambre, enfin, celle qu'elle avait, elle m'avait dépouillée, je sais même pas comment elle a fait, bref, on lui a harpé une petite poubelle, comme ça. J'ai exactement la même sur mon bureau, mais en 2 fois plus petit. Enfin, moi, j'ai pris le modèle le plus petit, et là, pour elle, j'ai pris le modèle de 5 litres, qui était à 2,68€. Toute noire classique. Voilà. Et pour aller avec, eh bien, il y a les petits sacs poubelles de 5 litres aussi, qui étaient à 63 centimes. Je sais pas combien il y en a dedans. 30. Ouais, il y a 35 de 5 litres pour 63 centimes. Et voilà, un tapis pour le chien, un panier. Vous appelez ça un panier pour le chien. Mais alors, on a fait une connerie, on s'est pas rendu compte. Parce qu'en fait, il était enroulé sur lui-même, c'était un saucisson. Ils sont chiants, là. Bref, oui, donc il était enroulé sur lui-même, donc on voyait pas trop la dimension qu'il faisait. En fait, c'est un tapis pour les petits chiens.
Nous, c'est un berger belge malinois qu'on a, hein, c'est un gros toutou. Alors, le tapis, il est un petit peu petit pour elle. Mais bon, ça n'a pas l'air de trop la déranger. Voilà, elle est recroquevillée dedans. C'est mignon à voir, on dirait un petit renard, c'est trop. Et enfin bref, voilà. Parce que je sais pas ce qu'elle fait avec ses tapis, mais elle me les dépouille tous à chaque fois. Pourtant, c'est un chien heureux, hein, elle manque de rien, elle mange bien, elle joue bien, on lui fait plein de câlins. Mais je sais pas pourquoi, elle me dépouille tout le temps tous ses tapis. On est obligé de l'acheter à chaque fois, tout le temps, tout le temps. Alors avant, on prenait des tapis carrément dans la jardinerie et tout, mais. Non, on a dit ça suffit. Alors, tant que tu feras cette connerie là, t'auras des tapis qui viennent de chez Action. Et puis voilà. Donc du coup, là, le tapis il était à 7€ quand même, hein, l'air de rien. Hein. Si ça me fait un mois, je serais déjà contente. Oui, ça va. Oui, ça fait un petit moment qu'on l'a, puis il est toujours vivant, donc c'est bon. Bref, voilà, on a pris un tapis pour chien pour 7€. Mais il est trop petit pour elle. Donc j'ai pris pour mes filles, pareil, une suspension pour les bijoux, pour mettre tous les bijoux, parce que moi j'adore faire des bijoux, j'arrête pas d'en créer. Et parfois, quand les bijoux ils me plaisent pas, et ben je demande à mes filles si ça les intéresse, puis elles sautent dessus à chaque fois. Donc au lieu de les mettre en vente sur ma boutique, et ben je les donne à mes filles. Voilà. Du coup, elles se retrouvent avec une collection de colliers, c'est hallucinant. Et du coup, bah voilà. J'ai pris ça pour mes filles pour qu'elles accrochent tous les colliers que je leur donne à chaque fois. Qu'il y avait soit en blanc, soit en doré, je crois. Mais dans leur chambre, le blanc c'était beaucoup mieux. Il y a les petits. Je sais pas si on voit. Il y a les petits. Une petite chaîne derrière pour accrocher. Voilà. Donc elles ont ça chacune pour mettre leur collier. Et c'était combien ça? 1,99€ le présentoir. Ensuite, j'ai pris ce petit cadre là avec les petits papillons. Il y avait aussi les feuilles de palmier, si je dis pas de conneries. Moi je préfère les papillons. Alors je suis pas spécialement fan des papillons, je les trouve un peu fades. Mais en regardant le principe du truc, j'ai l'impression que je peux les modifier. Donc peut-être que je vais essayer, je sais pas si je peux. Je vais peut-être changer les papillons à l'intérieur parce qu'ils bah, sont un peu fadouilles. On les voit pas très bien. Donc je vais voir si je peux modifier tout ça, mais sinon, bon, j'adore. Voilà, c'est des papillons dans un cadre comme ça. C'est quoi? Ils appellent ça un cadre flottant. Moi, bon, je trouvais ça trop mignon. Mais je vais voir si je peux modifier les papillons. Bah oui, apparemment, t'as rien dessus. Oui, on peut. Tu peux mettre ce que tu veux à la place. C'est un cadre photo finalement, bah voilà. Donc tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur. Donc moi je pense que je vais modifier les papillons. Peut-être que je vais en mettre qu'un seul grand, ou pareil, trois petits. Je verrai bien. Voilà. Bref. Un cadre comme ça. Un cadre photo, ouais, pour combien j'ai dit? 1,79€. Donc je sais même pas si on voit avec la tête là. J'ai pour moi 4 rouleaux de dentelle. 4 bobines, t'appelles ça des bobines? Ouais, enfin bref, 4 rouleaux de ruban en dentelle pour 79 centimes. Parce que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je suis, comment dire, bon, on m'a passé une commande pour réaliser un attrape-rêve géant comme ça pour un mariage dans ces tons-là, beige, crème, blanc. Donc voilà, il me fallait de la dentelle, donc là j'en ai pris de la fine et de la large et je vais pouvoir m'amuser à faire un attrape-rêve géant et tout ça. Et d'autres petites choses aussi, bien évidemment, il n'y a pas que ça. Bref, voilà. Donc ensuite, j'ai pris, parce que c'est pareil, j'avais oublié d'en acheter la dernière fois, j'oublie toujours tout. À chaque fois, j'oublie de noter, et puis bah, quand j'arrive au magasin, bah, j'oublie, forcément. Pour ce temps, je sais pas comment je les prends, parce que d'habitude, je note toujours tout. Enfin bref, donc du coup, là, j'avais oublié de prendre de l'adoucissant. Et bah du coup j'ai pris la marque Lénore parce que les autres marques que je connais pas je préfère éviter. Mais là je connais Lénore donc c'est très bien. Et celui-ci c'est marqué quoi? Un bouquet romantique, il sent trop bon la fleur, c'est... Moi j'adore, franchement j'ai déjà testé hein, mais il en manque. Et le linge il sent bon, mais il sent... Oh j'adore cette odeur. Bref, voilà, du Lénore. Et c'est combien ça? C'est marqué où? C'était 3,29€ la bouteille. Je pourrais me shooter à ça, je te jure, j'adore l'odeur. Voilà. Peut-être pas comme ça directement, non. Là, c'est du concentré, donc ça sent vachement fort. Mais le linge, ouais, il sent super bon, j'adore. Donc ensuite, parce que là-bas, c'est beaucoup moins cher que dans tout n'importe quel autre magasin, on a repris des semelles. Donc, enfin, dans ce sens-là, c'est mieux.
Donc celle-ci c'est pour mes filles parce qu'elles ont des nouvelles chaussures mais qui ça leur fait mal aux pieds. Et tout le temps, à chaque fois qu'elles ont des nouvelles chaussures, ça leur fait mal aux pieds, elles arrêtent pas de chouiner. Je dis mais c'est normal, elles sont toutes neuves, faut le temps qu'elles se fassent quoi. Bon bref, du coup, on a pris des semelles comme ça. Donc là il y a deux lots, deux paires de semelles à découper pour les filles. Et puis pour moi c'est pareil, je me suis acheté une nouvelle paire de baskets, sauf qu'elles sont beaucoup trop grandes. Et puis bah, je pouvais pas les échanger parce que bah, la date avait expiré, parce que en fait c'était un cadeau. Mais le, voilà, t'as un mois pour échanger et puis le mois il était passé donc je pouvais pas les échanger, c'était trop tard. Du coup bah, j'ai pris des semelles pour moi mais vachement épaisses pour combler les vides. Voilà. Voilà voilà. Donc des semelles, alors pour les filles c'était 75, c'est ça? Ouais, pour les filles c'était 75 centimes les deux paires et la mienne c'était 85 centimes. Elles étaient un peu plus chères. Mais bon. Voilà. Pour 1,49€, j'ai pris deux petits bocaux en verre comme ça. C'est pour un prochain DIY que je dois réaliser pour mon anniversaire. C'est une déco de table que je dois faire. Et puis voilà, j'avais besoin. J'en avais déjà deux, mais il m'en manquait deux. Donc, bon, mais malheureusement, ils sont un peu dépareillés, mais c'est pas très grave. Ça devrait pas trop être méchant. Bref, là, j'en ai pris deux comme ça. J'espère que pouvoir enlever, c'est l'écriture qu'il y a dessus. Parce que sinon ça va se voir, ça va pas faire joli. Enfin, ensuite ouais, j'ai pris ça, du sable décoratif pour mettre dans mon vase. Parce qu'en fait, bah, tout vient de chez Action d'ailleurs. On a la preuve en fait, ma plante est trop petite par rapport à mon vase. Et du coup elle dépasse à peine, on la voit pas du tout. Donc du coup je voudrais mettre du sable au fond du vase pour que la plante, elle remonte et en même temps cacher le pot à l'intérieur qui est tout moche. Voilà. Donc du coup j'ai pris du couleur un peu, ouais, qui se rapporte. Non, ça n'a rien à voir. Mais logiquement, je sais pas comment dire, mais dans ma tête c'est clair et net. Mais la couleur devrait se confondre à l'intérieur du vase et ça devrait pas être trop choquant finalement. Voilà. Là ça fait pathétique la plante. Normalement ça devrait être comme ça quoi, tu vois. Mais même là, fait... à un moment il faut que j'achète une autre plante parce qu'elle est vraiment trop petite par rapport à la taille du vase. Mais en attendant, voilà, un système D. Je vais rajouter du sable à l'intérieur pour cacher le pot et en même temps pour remonter la plante. Voilà. Non, je vais faire ça juste après la vidéo. J'espère qu'un truc de sable ça va me suffire. On verra bien, sinon j'y retournerai, hein, tant pis. On est plus à ça près maintenant. Et le sable, il était à 85 centimes. Ensuite, pour aller avec mes petits pots en verre, justement, pour les customiser, j'ai pris des petites pierres comme ça. Mais des pierres décoratives en verre. Voilà, j'ai pris deux parce que, là, vu la taille du pot, un seul, ça n'allait pas suffire. Et même deux, j'ai peur que ça ne suffise pas. Bon, je vais peut-être penser là sur les autres pots. Je vais voir, on verra bien. Enfin bref, là j'ai pris deux petites boîtes de galets. C'est des galets, hein, ou des pierres décoratives. Qui étaient à combien? À 99 centimes la boîte. Voilà, donc il y avait plusieurs couleurs, mais moi je préfère rester dans le transparent. Et ensuite, pour finir, le dernier petit truc, eh bien, j'ai acheté du parfum. D'habitude, j'achète jamais ce genre de choses dans ce genre de magasin-là, parce qu'on sait jamais. Mais là, je l'ai senti, et il sentait vachement beau. Bon, il sentait vachement bon. Et en fait, c'est pour mettre sur mes foulards principalement. Parce que c'est pareil, j'ai une collection de foulards. Moi, je peux pas sortir dehors si j'ai pas de foulard. C'est. Voilà. Enfin, bref. Et il est hors de question que je me serve de mon Calvin Klein, de mon Burberry ou de mon Lolita Lampinka pour mettre sur mes foulards tous les jours. Moi, je voulais du parfum vraiment pas cher du tout. Et puis, bah voilà. Et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est de l'eau de parfum. C'est pas de l'eau de toilette. L'eau de parfum coûte plus cher que l'eau de toilette, mais il dure beaucoup plus longtemps. Mais là, finalement, je crois que c'était 1,89€ la bouteille de parfum. Même pas 2€ une bouteille d'eau de parfum. C'est même pas de l'eau de toilette. Donc c'est super et ça sent vachement bien. Quoi, c'est Leia et Eleonora Fruity Paradise. Waouh. Oh, mais non. Je suis plantée. J'ai fait une connerie. Moi, je voulais la bouteille rouge. Et là, c'est la rose. Quand on est con, c'est loin. Bon, ça va. Moi, je préfère la rouge quand même.
Mais bon, ça va, ça pue pas trop. Bon bref, du coup je vais pouvoir me parfumer tous mes foulards avec ce petit parfum. Ouais, ça va. C'est bon. Au lieu d'utiliser mon parfum qui coûte cher, et ben, je préfère utiliser du parfum comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout. J'ai fait tout le tour sur mes derniers achats dans le magasin Action. Depuis mi-avril. Mi-avril, début mai. Voilà, tout le petit bordel que j'ai pu acheter. Donc vraiment, dans cette vidéo-là, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Mais bon, bref, voilà. C'est très bien comme ça. Donc bah, c'est le tour, ça y est, j'ai fait tout le tour. Donc dès que j'aurai des nouveaux achats à vous montrer, bah, je vous referai une autre vidéo. Et puis bah, en attendant, et bah, je vous fais tout plein de gros poutous. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, même si c'était un peu du grand n'importe quoi. Et bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.